J'ai terminé mon travail pour Spike. J'espère en avoir fait suffisamment. Si on récupère pas d'antisine, la tour... Réveillé. Un problème. Il faut qu'on parle. Ok, donne-moi une minute. Craig, ma compagnie est toujours en vie, mais tu devrais retourner à la tour. Ici Crane. Au rapport. Possible réunion avec le chef de la tour sous peu. Bien reçu. Confirmez son identité et contactez-nous immédiatement. Ne lui parle pas. Ici Crane. Au rapport. Le boss de la tour s'appelle Brecken. Ce n'est pas votre homme. L'autre suspect probable est un seigneur de guerre, un gars du coin, prénommé Rice. Il stocke de l'antisine et raquette ensuite à mort tous ceux qui veulent lui en acheter. Je vais en mission pour récupérer de l'antisine d'un parachutage. Si ça marche pas, ils vont trouver autre chose. Bien reçu. Beau travail, Crane. Continuez comme ça et laissez-nous le temps de planifier. Appelez-nous immédiatement quand vous aurez l'antisine. Proche de la zone de largage. Et voilà la caisse. Elle a l'air intacte. Voyons voir ce qu'elle renferme. Jade, les hommes de rail sont arrivés avant moi. La caisse sera tout près. Crane, la nuit va tomber. Il faut que tu files. J'y suis presque. Je peux y arriver. Je suis rentré en un seul morceau. Je comprends maintenant ce qu'a dû ressentir Brecken durant sa course de nuit. C'est pas une partie de plaisir.
dois aller lui faire mon rapport et lui dire que j'ai pas d'antisine. Ça craint de mentir à tout le monde, mais je sais que le GRE travaille. Faites-moi bonne chance. Tire pas. Bonne chance, mon frère. Je viens voir Rice. C'est Brecken qui m'envoie. Brecken ? Cet abruti dans sa tour ? Alors il veut quoi, Brecken ? Il veut passer un marché. Quel genre ? Le genre qu'on passe avec Rice, pas avec ses larbins. Ok. Qui passe ? Je sens que ça va être amusant. Crane. Au rapport. J'ai rencontré Rice. Pas de doute, c'est Suleiman. Ce type est un malade mental. De politicien sans scrupules, il est passé à chef de guerre. Est-il au courant de vos liens avec nous ? Non, il croit que je suis juste un gars de la tour. Il me teste pour voir s'il peut me donner de l'artisine. Bien reçu. Continuez à lui obéir. N'oubliez pas qu'il nous faut ce dossier. Super. Crane terminé. Tu dois faire quoi exactement ? Les communications radio sont mauvaises dans la zone de quarantaine. Ces modulateurs vont amplifier le signal. Et Rice pourra communiquer avec les avant-postes les plus éloignés de la ville. Tout le monde en profitera. Pas seulement Rice. Peut-être. Karim, je suis à la première antenne. S'il n'y a pas de courant, tu vas devoir l'activer. Il y aura un interrupteur dans le petit bâtiment. J'ai demandé... Parce qu'un de ces infectés de mes deux avec les boyaux qui dégueulent vient de me balancer une pierre toxique. C'est une bonne raison. Là, j'ai allumé ce putain de courant. Bien, maintenant, grimpe tout en haut. Merde, Karim! Quelqu'un a déjà massacré le truc pour récupérer des pièces! On peut plus rien allumer, là! Merde! J'avais un peu peur de ça. Bon, rejoins la tour d'antenne suivante. Elle est pas très loin. Utilise la tyrolienne et pars vers l'est. Tu la verras. Tu fais quoi si tu déçois Rice ? La réponse la plus probable, tu meurs de façon atroce. Karim, que tu veux ? Je suis près de la deuxième tour d'antenne et la clôture est électrifiée. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est sûrement Alexei. Et peut-être Christophe, son fils. Il me fatigue, ces deux. J'espère que l'escalade en valait la peine. Ouf.
moitié est intacte. Voyons si ça en valait la peine. Hé hey Karim, le deuxième émetteur est en état de marche. Ça fonctionne ? Karim, tu me reçois ? 5 sur 5, beau travail. Tu connais le chemin pour rentrer ? Le droit. Brecken me l'a dit. La communication est parfaite maintenant. Hey Crane, si t'as une seconde, je voudrais te mettre en relation avec quelqu'un qui aimerait vraiment te parler. Hein? Qui ça? Allô? Je peux avoir... Va parler à Karim avant que je décide. Ah, mais attention! Tout le monde ne sera pas forcément prêt. Ici Crane. Au rapport. Nouvelle mission pour Rice. Faites ce qu'il dit et ne le lâchez pas. Gardez bien les enjeux en tête. Ok, terminé. Karim, je suis au garage. Et toi, je me tiendrai à carreau. Karim, c'est moi. Je viens de menacer un vieillard de lui casser les jambes. Et ça a marché, je parie. Bon, maintenant tu vas chercher la taxe au village des pêcheurs. Dirige-toi à l'est vers l'entrée du tunnel. Tu tomberas sur leur messager. Crane, comment ça va? Je fais des courses pour Rice. Et il est très puissant et tout le monde a peur de lui. Ça, c'est sûr. On a presque plus d'antisite. J'ai envie de l'avouer, mais je commence à m'inquiéter. J'ai fait de mon mieux, Breaker. Je sais. Je voulais juste m'assurer que t'étais au courant de la situation. T'as oublié que j'étais infecté? La motivation ne manque pas, crois-moi. C'est dingue! Un infecté gigantesque vient d'exploser sous mes yeux! Ouais, on les appelle des enflés. Le gars l'utilise parfois pour tuer d'autres infectés. Tu leur tires dessus et ils restent tout dans un rayon de 3 mètres. Tu plaisantes? T'approche pas et tout ira bien. Et le messager, tu l'as vu? Non, j'ai vu personne, à part des zombies. Très bien. Il va falloir que tu ailles jusqu'au village dans ce cas. Le type que tu cherches s'appelle. Karim, je suis à l'extérieur du village, mais ça brûle d'infectés. Éliminez-les, un point c'est tout. On est là pour protéger les gens, je te rappelle. Alors protège-les. Faut que je referme la porte avant qu'il y en ait d'autres qui rentrent. Hey, y'a quelqu'un? Allez, je te laisse. J'ai l'impression que l'argent est le cadet de tes soucis. Karim, j'ai l'argent de Gorcel. Il faut faire quelque chose pour l'arrêter. Je viens de la part de Rice. Hein, encore ? Mais on vient de vous donner de l'argent. Ouais, mais tu le fais pas. Karim, j'ai récupéré l'argent au débarcadère. Et je suis quasiment sûr.
que je vais aller en enfer. Tu ne seras pas tout seul. Allez, viens chercher ta récompense à présent. Bon travail. Quelqu'un a basculé au 18ème étage. On essaie de maîtriser la situation, mais bon. Je crois que j'ai trouvé la patrouille. Les gars ont été complètement massacrés. Fouille les corps. Recherche les... Est-ce que tu as trouvé l'enveloppe? Pas encore. Une seconde. Je l'ai. Parfait. Apporte-la-moi immédiatement. Tu vas être accueilli en véritable héros. Beaucoup d'amis dans le coin. La vache! Tiens, excellent. Non, j'espère pas. La compassion, c'est mieux. Oh merde! Ici Crane. Au rapport. Je travaille plus avec Rice. Ici Elfie. Bon, écoutez-moi tous. Allez vous faire foutre. Qu'est-ce que tu veux le cacher? J'y réfléchirai. Je vais enfin pouvoir faire quelque chose de bien. Ici Crane, vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que vous recommenciez à livrer de l'antizine près de la tour. On en a besoin. On vous a envoyé à Aran pour retrouver le fichier, pas pour jouer les mères Teresa. À moins que vous ayez changé d'avis pour la proposition de Rice. Peut-être que Mademoiselle Aldemir serait contente de coopérer, de se battre dans un nouvel environnement. Donnez-nous de l'antizine, et ensuite on verra. Ah, vous le prenez comme ça. Désolée de vous dire ça, mais vous rêvez. Les choses sont un peu tendues avec le ministère. Reprendre les livraisons ne serait pas très avantageux, politiquement parlant, actuellement. Vous êtes vraiment qu'une bande d'enfoirés! Avec votre fichier à la con! Je vais le trouver. Mais je vais pas me gêner pour l'étudier tranquillement avant de décider quoi en faire. Crane, c'est Jade. Tu m'entends? 5 sur 5. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Si ça, tu peux essayer. T'es qui, toi? La vache! Ils sont combien à l'intérieur? J'en sais rien. J'ai vu ceux qui ont suivi Tahir. Mais il doit y en avoir d'autres. On devrait prendre des entrées différentes. On couvrirait plus de terrain et on ferait moins de bruit. Ok, Jade. Je suis entré. Fouille les glaces. À mon avis, c'est là qu'ils stockent les marchandises. Elle doit...
doivent être marqués. Le jargon militaire est plutôt simple. Tu devrais pouvoir les identifier. Dépêchez-vous, bande de fainéants. On va pas y passer la journée. Et encore moins la nuit. Vous avez pensé à vérifier le sous-sol? Bien sûr que non. La clé est toujours là. Idiot. Ça vous arrive de réfléchir? Les gars, il y a quelqu'un! L'interrupteur est sûrement là-bas. Jade, j'ai pas trouvé d'antisine. Je pense qu'il va falloir trouver une autre option. Enfin, j'ai pas encore fouillé la classe C. Le sous-sol est énorme. Cherche la clé, je te retrouve là-bas. Pas d'antidine. Ouais, non, merde. Oh, ok. On m'a dit que l'un... T'inquiète pas pour moi, merci. Doc, ça y est. J'ai des boyaux de zombies pour toi. Crane, t'es là? Va à la gare de triage et planque-toi! Hé, hey, toi, là-bas! Je suis en antenne! Brecken, tu m'entends? 5 sur 5, qu'est-ce qu'il y a? Je pars chercher Raïm. Raïm? Il est ici. Non, Omar et lui sont partis faire sauter de nuit. Et ils sont dans le pétrole. Oh, merde! C'est pas bon, ça. Raïm, t'es où? Brecken, c'est moi. J'ai trouvé que des cadavres sur le pont routier. Aucune trace de Raïm. Je lui ai dit d'aller se cacher à la gare de triage. Va le chercher. J'espère que ce petit con est toujours vivant.
par ce tunnel. Il te conduira jusqu'au nid. De retour à la surface. Tu vois le gros ponceau à droite? Passe par là. Une fois dans le bâtiment, prends la rampe pour te rendre à l'étage au-dessus. Il faut que tu places la bombe sur une des colonnes. C'est bon pour la première. Sois prudent. Trouve un escalier pour monter à l'étage au-dessus. Cherche une colonne identique à la première. Je l'ai. On a réussi. Le nid a explosé. Tous les infectés sont éliminés. Qu'est-ce qui se passe ? Allez ! La vache! Y a plus personne. Merde, Brecken. Ziri a été kidnappé. La caravane est en feu. Mais merde! Tu vois ce qui se passe quand... Qu'est-ce qui se passe? Plus pour rien. D'accord. La vache! Ok. J'ai trouvé une entrée. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir. J'y vais. Reste vigilant, surtout. Ici Crane. J'aurais besoin de l'assistance du GRE. Maintenant. Pas de bol, agent Crane. Vous êtes au ministère de la Défense. Hein? Il se passe quoi? Où est le GRE? Le groupe de ravitaillement et d'entraide est passé au second plan. C'est nous qui dirigeons à présent et Aran est devenue zone cible code 1. Attendez un peu là, vous pouvez pas raser cette zone. Il y a des centaines d'innocents ici. Peut-être même des milliers. Aucune importance. C'est pour le bien de milliards de personnes. Vous devez bien comprendre ça. Il y a un scientifique ici, un type du nom de Zéré. Il travaille sur un vaccin et il est près du but. J'ai vu ses notes. Si vous rasiez la ville... Je comprends. Je ne vois pas trop comment un scientifique tout seul dans une ville ravagée pourrait trouver un vaccin, mais bon... Vous avez 48 heures. Merde, c'est cassé. J'y arriverai peut-être en forçant. On est à l'intérieur, ça y est. Où es-tu, mon ami? Brecken, j'ai pas vu Zéré à l'intérieur. Ça a l'air vide. Il y a un sous-sol.
J'ai trouvé Zéré. Je voulais le ramener à la tour, mais Rice et ses hommes nous ont tendu une embuscade. Je sais pas comment tout ça va se finir. Allez, debout! Oh merde. Tu es un véritable serpent qui s'infiltre, Crane, dans la cité des menteurs, le roi des mensonges. Qu'est-ce que tu racontes? Réponds, enfoiré! Vas-y, perds ton sang-froid. Mets-toi en colère, je t'en prie. Si je... Pas mal. Dégagez les corps. Laissez Crane. Entendu. De tes exploits. Dommage, tu ne seras plus là. Ça y est, tu prends ton destin en main, c'est ça? C'est un peu tard, malheureusement. Pas mal pour un homme mort. Bien diverti, mes hommes. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Tu ne fais que prolonger l'inévitable. Mais vas-y, défonce-toi. On ne pourra pas dire que j'ai été dur avec toi. Je vais te botter le cul. Courir. Il me fait avoir. Merde. Fais chier.
J'ai trouvé un moyen de sortir de l'arène, et il faut que je retourne voir Brecken à présent. Zeré, il est mort. C'est bonne nouvelle. Ça empire. Ça fait mal. Zeré. Il est mort. Tu le remercieras pour moi. Secteur 0. La vache! Je sais que c'est Crane. Crane, tu vas être déçu si tu penses que passer dans le secteur 0 te permettra d'échapper à la... Viens là, ma pute. Non, merci. La vache! J'ai retrouvé Senk. Au début, il avait pas trop envie de me parler, mais après lui avoir dit ce que j'avais fait à Rice, les sauveurs ont décidé de me filer un coup de main. Ils vont me faire passer dans le secteur 0. On y va toujours un par un. Ce gars-là va passer en premier. Il vient d'arriver. Ça fait des heures qu'on attend. Reste là.
On essaie de faire le ménage. Il y a peut-être des infectés par-ci, par-là. Ça devrait pas te poser de problème. Hey, qu'est-ce que t'as fait? J'avais pas le choix. Je suis désolé. Bricken, tu me reçois? Ici Crane. Comment ça va, Crane? Dis à tout le monde... Bande d'enfoirés, ces sauveurs. Ces salopards travaillent avec Rice. Ils m'ont tendu un piège. Pour un peu, j'y restais. Ça m'apprendra à faire confiance aux gens. Camden, vous me recevez? Rain? Oui, oui, je vous reçois. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans le secteur zéro. Jade est avec vous? Non, elle a du mal à progresser. C'est pas facile. J'ai dû c'est me toi, couper Rain? De l'extérieur ouais, à moi. Cause des hommes de Rice. Vas-y, Troy. On a discuté de la façon de percer ce brouillage radio. Sa vie est limitée. Il va continuer à plancher dessus pendant que tu cherches le chasseur. A plus, Crane. Et si je peux te donner un conseil? Jade? Jade? T'es là? Tu es qui? Tu veux quoi? Norma, je sais pas trop. Mais elle m'a dit de te dire une fois. Jade, ici Crane, tu me reçois? Jade, tu m'en... Crane, qu'est-ce que... Merveilleux. Près d'ici. Je parie que quelqu'un...
J'ai cru que t'étais un mordeur. T'es obligé d'arriver sans faire de bruit. J'ai failli me choper une crise cardiaque. Je voulais... Elle t'a... Écoute, je comprends. Alors, maintenant, si t'es prêt, ta première étape est au 10e étage. Quelque chose doit bloquer le puits. Ouais, pour l'instant. Michael, je suis au 10e étage. Super. Trouve les apparts 105, 106, 134 et 137. Ok, c'est bon pour le premier appart. Bien joué. Passe au suivant. Voilà. J'ai trouvé Michael. Il me guidera par radio. Je suis censé placer des explosifs à des endroits... qui pleure. Merde, c'est quoi ça? Ok, c'est fini. Génial. Et tu pourrais redescendre? Je dirais pas non à un couloir maintenant. Michael, ça va? Écoute, si je m'en sors pas, tu dois prendre... Dégage! Prends le détonateur! Pars-toi d'ici et fais tout sauter! Dis pas n'importe quoi, Michael! Casse-toi d'ici et retourne voir Troy! Tout de suite! Laisse le détonateur où il est! Michael? Michael! Oh, merde! J'espère que tout va bien, Michael. J'ai le détonateur maintenant. On va voir ce qu'ils ont préparé. Je sais, mais j'ai perdu le seul moyen que j'avais de les contacter. Les gars, écoutez. Savi a trouvé comment pénétrer le brouillage. Il a juste besoin de votre aide pour le faire. Ok. Jade, t'as entendu? Troy, j'ai vu une affiche qui parle d'une sorte de défi. T'en as déjà entendu parler? Troy, tu me reçois? Troy est trop loin, mon ami. Mais je peux t'expliquer.
m'appelle Bozak et mes défis sont affichés partout en ville. Dernier point. Si tu peux, trouve-toi de nouvelles armes. T'en auras besoin. Rick, vous voulez quoi? Si c'est pas pour ce que... Mais... si tu devais le tuer... Du calme. Croy, c'est ton rail. Il y a une différence entre très probablement... et sûrement. Je vais quand même essayer. Troy ? Je t'écoute. J'y suis. C'était la partie la plus facile. Tu t'en rends bien compte. Merci de me remonter le moral, Troy. Je t'en prie. Bonne chance. Tu l'auras cherché. Alors t'as pas mieux? Je vais limite commencer à m'emmerder! Pauvre Jeanne! Elle se sent si seule sans toi! Elle t'attend! Viens donc la chercher! Oh. 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 Cherche-la! Allez! Elle t'attendra pas un défilement.
Encore ! Jade ! Oh non ! Oh merde, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ça va, Crane. Tahir m'a donné un coup sur le crâne avant de me laisser ici. Laisse-moi une minute et tout ira bien. Ça risque de ne pas être possible, Scorpion. En fait, ces quelques minutes de sursis, tu me les dois. Crane, grâce aux antennes que tu as réparées, j'ai pu écouter tout ce que vous disiez. Comment crois-tu que je t'ai trouvé, Jade ? Ou ce bon docteur Camden ? Comment crois-tu que j'ai coupé les liaisons entre les secteurs ? C'est moi qui tire les ficelles. Et maintenant que j'ai les notes de Zéré, le GRE n'a pas d'autre choix que de m'obéir. Vous ne me servez définitivement plus à rien. D'ailleurs. Tu as été vexé que je te traite de macaque apprivoisé ou je me trompe ? Pourtant, regarde, tu danses pour nous divertir. Tu as la force pour intégrer mes troupes, mais il te manque le caractère. Viens, on se barre d'ici. Tu vas voir, ça va te forger le caractère. Jade, t'es blessé ? Est-ce qu'ils t'ont mordu ? Ça va, ça va. Donne-moi quelques instants. Notre petite Jade ne va pas bien du tout, Crane. Elle a été infectée il y a plusieurs heures. Que c'est noble de sa part de le cacher. J'ai été mordu à la jambe. Je voulais pas te le dire. Une fois de plus, tu es face à un choix, Crane. Ton joli scorpion est prêt de basculer. Mais toi aussi, qui va recevoir l'antizine ? Qui veut sortir vivant de ces retrouvailles ? C'est à toi de décider. Jade, tiens, prends-le. Non. Vas-y, j'en ai encore dans mon système. T'en as plus besoin que moi. Crane, je veux juste que tu me promettes une chose. Quand le moment sera venu, je veux que ce soit toi qui me tue. Quoi ? Non. Promets-le-moi. Jade, je peux pas. Crane, tu m'entends ? Jade, où es-tu ? Jade ! Qu'est-ce que... Il faut que tu m'écoutes, Crane. Je sais que tu voulais essayer de me sauver. Je connais peu de personnes qui m'auraient donné ça. Mais c'est trop tard maintenant. C'est trop tard pour moi. Pendant un temps, je t'ai tenu responsable de la mort d'Amir. Je voulais te tuer. Et puis, j'ai compris. L'heure d'Amir était venue. Mon estomac est en feu. Merde, arrêtez ça. Nous naissons, et à la fin, nous mourrons. Non, 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 non. L'important est de faire que ce qui se passe entre les deux serve à quelque chose. La vie d'Amir a servi. Maintenant, il est mort. C'est pareil pour Rain. Si mon sacrifice permet de sauver tous les habitants d'Aran, alors il servira à merde, ma tête. N'essaie pas de m'en empêcher. Je suis née prématurée. Le docteur pensait que je n'allais pas m'en sortir. Je me suis battue. J'ai lutté. J'ai travaillé dur encore et encore. Non. S'il te plaît, non. Jade, qu'est-ce que j'ai ?
Je suis désolé, je voulais pas... L'un de nous doit vivre, Kyle. N'oublie pas ta promesse. Malgré tout ça, on t'impose encore un choix. Je suis déçu, Crane. Toi, toi, et toi, allez-y, tuez-les. Descends-moi ce fils de pute! Les Américains ne savent jamais quand déposer les armes! Ouraï, c'est une partie! C'est Crane. Crane ? Tu es vivant ? Troy. Jade est morte. Oh non. Je suis désolée. Vraiment, Crane. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle m'a sauvé. À nouveau. Elle a donné sa vie pour me sauver. Crane, tu dois encore arrêter le ministère. C'est pour ça que Jade s'est sacrifiée. Pour que tu puisses les arrêter. Sa vie est là ? Il a trouvé un moyen d'envoyer un message ou pas ? Oui, mais on doit absolument se voir. Il faut que je te donne un amplificateur avec lequel sa vie a pu percer le brouillage. Je t'attends dans la zone sécurisée, à mi-chemin de l'antenne sur laquelle tu devras installer l'ampli. Ok, Troy, j'y vais. Jade et moi sommes infectés, et Rice nous a obligés à nous battre pour de l'antizine. Elle m'a laissé la prendre. Elle s'est sacrifiée pour moi. Quand elle s'est transformée, j'ai dû la tuer. Mon Dieu. Raïm, et maintenant Jade. Docteur Camden, c'est Crane. Vous me recevez ? Crane, vous avancez ? Vous avez trouvé Jade ? Oui, je l'ai trouvé. J'ai récupéré des échantillons de tissu. Je vais vous les apporter. Mais j'ai une mission importante avant. Ok, Crane. N'oubliez pas que le temps presse. Je sais, Doc. Je vais nous donner un peu plus de temps. Je l'espère.
Vérifiez que le signal est assez puissant pour passer outre le brouillage. J'espère qu'une fois l'ampli fixé à la plus haute antenne d'Aran, tout... Vérifiez que le signal est assez puissant pour passer outre le brouillage. J'espère qu'une fois l'ampli fixé à la plus haute antenne d'Aran, tout fonctionnera. Hein ? C'est un gamin ? Oh non. David, t'es là? Ouais, ça va bien? Je suis perché et encore entier. Super. Écoute-moi, il va te falloir la carte d'accès au poste électrique. Sinon, on n'aura pas de jus pour l'antenne. Ok, elle est où cette carte? Tu vas devoir fouiller les conteneurs pour la trouver. Je dois fouiller le secteur? Tu veux dire que la carte est peut-être pas là? Si, si, elle est là. C'est juste que le dernier gars en mission ici a juste eu le temps d'atteindre un des conteneurs avant qu'on... perdre le contact avec lui. Merde, encore ces enfoirés. Ouais, il était temps. Je l'ai, Savi, j'ai la carte d'accès. Super, va au poste électrique. Il est à côté de l'antenne, à l'intérieur de la clôture. Sers-toi de la carte pour entrer. C'est bon, Savi. Ok, super. Branche le transformateur. Ok. Génial. Maintenant, trouve le panneau de contrôle au pied de l'antenne et allume-le. Monte en haut de l'antenne et installe l'ampli. Toutes les radios dans un rayon de 100 mètres vont gonfler le signal. Ouais, monte en haut, tranquille. Mais je mérite pas ça! Crane, mets la bonne fréquence sur ta radio quand tu installes l'ampli. Ouais, pigé. Logique, il s'arrête de flotter pile quand j'arrive en haut. Savi, tu m'entends? L'ampli est installé. Génial, Crane. Redescends en tyrolienne. Le tunnel en question se trouvera près de l'endroit où tu atterriras.
ici Kyle Crane. Vous me recevez? Je vous reçois. Vous voulez qu'on se voit? Apportez-moi les échantillons et je continuerai mes recherches. C'est exactement ce que je comptais faire, Doc. N'oubliez pas que je suis coincé au milieu d'un bon millier de zombies. Affirmatif, je serai bientôt là. Pas de problème. Je ne compte pas bouger. Vous devez être Crane. Je vous vois grâce aux caméras de surveillance. C'est moi. Je m'appelle Crane. Prenez l'ascenseur et appuyez sur le bouton du rez-de-chaussée. Compris. Le docteur Zeré m'a attristé. Nous étions si contents de pouvoir étudier le virus d'Aran. Sans oublier que le GRE nous payait bien. Au fait, nous sommes sur le générateur de secours. De nombreux circuits sont coupés. J'ai eu besoin de puissance pour ma dernière expérience. Les générateurs ont chauffé et... de radoter à voix haute. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas eu l'occasion de parler à un être humain en vrai. Parfait. Maintenant, empruntez le couloir principal. Le labo est sur la gauche. Quand l'épidémie a éclaté, sans rester dans la zone de quarantaine pour travailler. Nous devions être protégés par Kadir Suleiman. Rice. Tu parles d'un plan imparable. Ok. Le seul moyen d'entrer dans le labo est par la salle de décontamination. L'entrée sur la droite. Tout est parti en vrille à la mort du frère de Rice. D'un type avec de simples tendances psychopathes, Rice s'est transformé en véritable monstre. Il faut lancer le protocole de décontamination pour déverrouiller les portes. Ce n'est possible qu'à pleine puissance. C'est là que les générateurs... Allez vers les bureaux. Une fois sur place, je vous dirai quoi faire. Très bien, je m'en charge. Zeré et moi avons pu rester en vie grâce à un agent du GRE. Un type comme vous. L'agent qui nous a aidés était censé repartir en même temps que nous. Mais vous vous doutez du résultat puisque Zeré et moi sommes restés bloqués ici. Faites très attention. Comme je n'avais aucune raison d'aller dans ce bâtiment, je n'ai jamais fait la chasse aux infectés. J'ai été séparé des deux autres, mais j'ai réussi à me réfugier ici dans cette clinique. Ma seule option était de trouver un vaccin. Attention, j'ouvre la porte. Zeré et l'agent ont fait équipe avec les hommes de Brecken. C'est ce que j'aurais fait aussi. Désolé, mais le seul moyen d'atteindre les générateurs est de passer par les conduits de ventilation. Ces conduits mènent à la réserve. De là, vous pourrez atteindre le hall, puis les générateurs. De décontamination. Vous savez, je crois que même si Zeré avait pu sortir de la zone de quarantaine,
j'ai vu Camden. Il a étudié les échantillons de tissu du docteur Ziré et a assuré qu'il serait possible de trouver un vaccin s'il avait... Je sais, je vais faire gaffe. Je veux simplement comprendre ce qu'il en est. Roy, j'ai donné les échantillons au docteur Camden. Je vais discuter avec le GRE maintenant. Et tu vas leur raconter quoi? Tout. Je t'appelle plus tard, Troy. Ici Crane, vous m'entendez? Kyle Crane, tu m'entends, pas vrai? Rice, t'es où? Exactement à ma place, en haut de ma tour. Mais c'est un monument dédié au... Ouais, ok, je vais voir. La vache! Quoi, ça? Je savais que tu ne pourrais pas résister. Ta gueule, je veux pas t'écouter. Quoi? M'écouter? Quelle bonne idée. C'est mieux. Je préfère avoir un vrai orchestre pour accompagner un combat entre rois. Voilà. Parce que je le veux. Cours, Crane, cours. Les esclaves, c'est fait pour ça. Cours ou crève. Putain de merde. Ça, c'est de l'entrée. Tu es peut-être un roi. Le roi des larmes. Tiens, Crane. Accepte ce cadeau royal. Tu ne peux pas me tuer ou me vaincre. Ce n'est pas faute d'essayer. Permets-moi de t'accompagner en musique.
de la souffrance. Joué par des esclaves. Idéal pour toi. C'est pas faire play de ma part de te tirer dessus. Sincèrement, je préférais quand tu parlais pas autant. Pour moi, c'est plus une manière de dégager le terrain du jeu. Tu comprends l'expression, pas vrai? Malheureusement, ce club est amené à disparaître. Pauvre Crane. Il est terrassé par l'émotion. Il brûle d'envie de se venger. La haine le consulte. Nous revoici l'un en face de l'autre. J'ai donc plus besoin de ça. Avec ou sans, t'es un homme mort, Suleiman. Allez, Crane. Ne fais pas comme si tu t'en moquais. Combien de vies dépendent de ce disque? Des centaines? Des milliers? Peut-être des milliards? Raison sur une chose, Crane. Suleiman est mort. Il est mort avec son frère, dans cette ville. Tu n'es même pas d'ici. Tu ne connais pas la souffrance. Je vais t'apprendre, Crane. Tu vas souffrir avec moi. Hey, vas-y, lâche-toi. Vas-y. Je ne résisterai pas, comme tu l'as fait pour Taïr. Vas-y! Va te faire, enfoiré. Tu veux que j'édicte mes règles? La première, c'est que tu vas souffrir tout le reste de ta putain de vie. Me laisse pas comme ça, Crane. Montre que t'es un putain, homme. Putain, tu vas te taire, merde!
tuer. Maintenant, c'est toi qui es entre la vie et la mort. Et le GRE va me conduire dans un hôpital. Je t'offre la possibilité de décider de ton sort. Donne-moi le disque, afin qu'il y ait une petite chance qu'Aran survive, et je te tuerai. Sans douleur, si tu résistes, la ville est perdue. Comme toi, tu as jusqu'à d'accord, ça. D'accord, tiens. Deux. Décision, connard. Qu'est-ce que tu veux ? Bryce nous a dit qu'il avait les notes du scientifique mort. Il n'y a que le vaccin qui nous intéresse. On vous donne une dernière chance. Récupérez le reste des données et venez avec nous. J'ai des tonnes de raisons de vous dire d'aller vous faire foutre. Mais si pour une fois vous avez...